Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie à droite, gauche, droite, gauche, boum. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo sur les vêtements, coiffure, tatouage, etc. On va voir ce qu'il y a de nouveau. Oh bah bonjour. Vous êtes très séduisant. Attendez, je vais vous parler après. Restez là. Alors, au niveau des tenues, j'ai pas vérifié. Ouais, toutes les casquettes, voilà, c'est fait. Voilà, donc il s'appelle Moto Boulot Bobo. Ah, j'aime beaucoup cette tenue, à part les chaussures. Nice. Alors là, je vous montrerai que les tenues féminines. Je pense qu'il y en a pas mal sur YouTube qui vous montreront les tenues masculines. Hein. C'est pas un problème. Ah, ça fait penser à la tenue genre Retour vers le futur. Parce que vous en pensez, moi ça me fait penser un peu à ça. Ouais, sympathique. Wow. Par contre, celle-là, non. D'accord. Bah au final, la... Celle-là j'aime bien, mais elle est un peu trop dénudée, je suis pas pour... On va prendre celle-là. Voilà. J'aime avoir une... Quelque chose de sympa en vidéo. Je sais même plus qui, à qui discuter. Bon, on va voir ce qu'on a au niveau des chaussures, etc. etc. Attendez. D'abord c'est quoi? C'est les hauts. Veste de costume ajustée. Alors c'est peut-être pas des... Ah si, en fait c'est pour... C'est bien pour le DLC. Ouais, sympathique, sans plus. Pas forcément ultra fan. Gilet de motard. Ah. Ça c'est des gilets de motard ça? On dirait des gilets de sauvetage. Là je suis d'accord. Mais avant, on aurait clairement dit des gilets de... de sauvetage. Hein. Là en fait, vous pouvez vraiment ajuster votre look. Je vais garder quand même... ça c'est... Tenir un petit peu sadomaso quand même. On peut pas voir le dos, mais ouais, dos nu, ouais, ok. D'accord. C'est pas mal. Je suis pas très cuir, personnellement. Je suis pas... J'aime pas trop le cuir. Je dis pour moi, hein. Après, il y en a qui, ça va très bien. Moi, en tout cas, pas du tout. Parce que vu que je porte souvent très large, bah, porter du cuir large, ouais. Il est joli celui-là aussi, j'aime bien. On dirait qu'on est avec Johnny. RIP. De là-haut, on te voit. Ou pas. Bon, ok, c'est des vestes qui se ressemblent un petit peu, c'est juste les couleurs qui sont modifiées. Mais c'est bien, au moins ça vous fait... Logiquement, si vous prenez des couleurs assez dégueulasses, vous pouvez avoir un personnage très différent. Ah d'accord, ils ont fait ceci, ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous prenez une doudoune comme ça, vous êtes sûr que personne n'en aurait une. Hein. À part peut-être quand il va neiger. C'est vrai, c'est vrai. Si vous voulez faire du RP, vous prenez une doudoune comme ça quand la neige va arriver. Bon, logiquement, il y aura toujours la neige. Hein. Tous les ans, ils en mettent. Donc pourquoi pas cette année? C'est que c'est, ça passe vite. Le temps passe vite. Hein. On s'en rend pas compte. Alors par-dessus. Ouais. Là, franchement, ils sont pas foutus de notre gueule au niveau des. Rien que les hauts déjà. Ils en mettent à... Waouh. En fait, j'ai l'impression que tout est passé d'étoile à pas étoile. Aux spéciaux. Logo de fabricant. Ok. Ça, c'est quoi? Je pourrais voir. D'accord. Débloquable. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, on dirait que ça passe sur... D'accord. On a trouvé un glitch en direct. Voilà. Lol. Qu'on n'a pas tout montré là. T-shirt. C'est ouais, c'est le nouveau t-shirt. Waouh. Ouais, ça donne un style. On dirait Catwoman. Mais Catwoman bizarre. Au spécial. Ouais, non, mais débloquable, ça on verra plus tard. T-shirt de biker. Ouais, c'est bizarre que l'inscription se met sur le gilet. C'est très bizarre. D'ailleurs, bizarre, allez, c'est le mot magique de cette vidéo. Bah voilà, je vous fais un petit doigt. Non, mais on s'en fout de tes fesses, toi là. Quelle coquine celle-là. On veut toujours montrer des choses qu'on veut pas voir. Ouais, ça me paraît. Non, mais tu te fous de ma gueule. Tu arrêtes. Ah, il est beau avec la tête de mort. Il y en a pas mal qui sont cool, je trouve. Allez, comment de base, elle est comme ça? Franchement, je vais me mettre un petit t-shirt de biker. Il y en a un mec que j'aimais bien, c'était celui-ci.
Voilà. Pour l'instant, c'est celui-là que j'aime bien. Chemise. Voilà, on va pas en mettre parce que je n'aime pas du tout. Je sais pas. Même elle a dit non. Elle a dit, s'il te plaît, tout sauf ça. Tout sauf les chemises. Et franchement, ils ont vraiment mis un max de... Ah, même mon téléphone, il est égaré. Il dit, mais merde. What the fuck? Ça, par contre, c'est j'aime pas. Peut-être qu'en vrai, si je vois une fille comme ça, avec des formes, ça peut le faire. Mais dans le jeu, ça ne va pas du tout. Eau de sport. Ok, c'était pas mal aussi, j'aime bien. Et je pense qu'on a pratiquement tout fait. Bon, désolé, ça on va pas pouvoir voir. Même si, non plus, mais je pense pas que ce soit. En fait, ça c'est toujours comme ça parce que je mets jamais ces affaires-là. Alors, les chaussures, bottes. Oh, celle-là me plaît un peu plus déjà. Oui, je sais que j'ai des goûts de merde. Je sais bien. Attendez. Non, je vais quand même les. Ouais, comme ça, non. Allez. On prend ses bottes. Basket en toile. C'est pas des nouvelles, je pense. Je pense que j'ai juste pas vérifié. Voilà. Ensuite, on a. S'il vous plaît, mettez-moi pas des modes rivalité. Ils sont toujours les deux là? D'accord, ils sont un peu indécis, j'ai l'impression. Attends, c'est pas ici. Ah non, c'est là où il y a mon. Non. Salut, ça va? Tranquille, la famille? Je crois que c'est là-bas qu'il faut voir les pantalons. Non, attendez. Bon, voyons voir les chapeaux. Chapeau à toile. Ok. Ouais. Je suis Rasta. Le mec, il fait super mal. Mais c'est pas grave. Oh. Je me souvenais pas avoir vu ça un jour. Feutre rond. On dirait le chapeau que Aurel y porte en live. Lol. Moi, je peux pas porter ce genre de choses. Je sais pas, ça va pas du tout avec moi. Peut-être qu'un jour je devrais essayer. Hein. Peut-être que. Enfin, je me dis que ça m'irait pas. Mais peut-être. Attendez. Ouais, tu reprends celui-là juste pour modifier un petit peu. Vous voyez. Ok, je pense qu'il en a tout fait. Ah, casque de biker. Lol. C'est quoi ces casques? On dirait les casques pour aller faire la guerre. Forcément, je trouve pas que c'est un casque de. Ouh, ça par contre, ça défonce. Ça fait penser à un truc sur la 24, c'est quoi déjà? C'est RMC Découverte. À Las Vegas, quand ils restaurent des véhicules, t'en as un qui adore les trucs tout en pointe. Je me souviens plus de la série. Mais il y en a qui adorent ça. D'accord. Bon, moi je voulais voir les bas en fait. Ah, en fait les bas sont ici. Mais vu qu'il y avait la notification. Attends, je suis comment là? Je suis comme ça, d'accord. Par contre, ces jeans-là, j'aime beaucoup. Je trouve. Enfin, peut-être que celle qui les remplit bien aussi. On n'avait pas tout fait. Hop, c'était celui-ci. Le short. Non. Je préfère celui-ci. On va prendre celui-là. Pour pas que ce soit totalement. Excusez-moi. Pour pas que ce soit totalement noir. Ouais, sorte de pantalon leggings ultra serré. Ça, tu les mets. Comment les enlever, comment les mettre, ça doit être super chaud. Et on finit par. Les accessoires, s'il y en a, bien entendu. Attention. Écharpe, forcément. Je peux pas vérifier. Cravate non plus. Accessoires au poignet, voilà. Voilà des accessoires qu'on peut vérifier. Attendez. Je vais bien me mettre, voilà, ici. Allez. On est rock'n'roll aujourd'hui. On est rock'n'roll. Et de l'autre côté, je vais mettre quoi? Je vais pas mettre la même chose.
Y a pas un petit truc sympathique Bah tiens, j'avais vu un truc qui faisait un petit peu plus girly. C'est-à-dire à côté démoniaque, à côté gentil, voilà, hop. Voilà, parfait. Alors pour le reste, si vous n'avez pas vu, c'est normal, hein, c'est juste que c'est pas accessible. Pourquoi? Elle a quoi au visage là en fait? En tout cas, c'est pris des coups. Mais c'est pas grave. Bon. Salut, hein. Bonne journée. D'accord. Je viens de me faire prendre avant par le pire mec du jeu. C'est une blague. Bon, on va prendre ce véhicule. On s'en fout du véhicule qu'on prend de toute façon. Tant qu'il nous ramène là où on a besoin d'aller. Pardon. Alors. Là où on a besoin d'aller, on va aller d'abord. What, c'est quoi ça? Épreuve de rivalité, très bien. On va aller d'abord dans le coiffeur. On va aller d'abord chez le coiffeur. Et après, on va faire la boutique de masques, etc. Et on finira par le tatouage. De toute façon, on n'est pas long, on a moins d'un kilomètre. C'est assez rapide. Salut! Merde! Je pensais que ça m'aurait pas donné d'étoile. Des fois, tu peux tuer 10 personnes, t'as rien. Des fois, tu. Je sais même pas si je les ai tués. Je me sens plus d'étoile. Quel monde de fou! Wow, wow, calme-toi! On n'est pas sur Mafia et on n'est pas sur Forza Horizon 3. Trop habitué à drifter dans ces jeux, je voulais tester. Non. GTA, c'est plus tu freines et tu la fermes. C'est très bien comme ça. Alors. Par contre, j'aimerais bien que la police me laisse tranquille, vite fait. Comme ça, ce sera parfait. En fait, c'est juste les lunettes qui font bizarre avec elle, là. Je les laisse quand même. Se donne un certain look. Je suis avec mes gars sûrs. On est posé sur la terrasse. En train de fumer. Ça nous détruit la santé. Mais on s'en bat les steaks. C'est pas vrai? Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On attend juste que la police nous laisse tranquille, hein, vous inquiétez pas. Voilà, merci. Bon, il est temps de passer au coiffeur. Bonjour. Salut. Tu veux me coiffer? Yeah, I do. Alors, coiffure. Qu'est-ce que nous avons comme nouvelle coiffure? Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Ah si, ça arrive, voilà. Donc, nouvelle coiffure. Ah oui. Oh my god. Non, non, je peux pas mettre ça. Je ne peux pas mettre ça. Encore pire. Non. Non, non, j'aime pas du tout. Non! Please! Non, je vais prendre peut-être. Ah, ça par contre, j'aime bien. Ça fait Fifi Vibrant d'acier avec ses petites couettes comme ça, là. C'est pas mal. Ouais. Franchement, ils ont bien fait, hein. Non, mais là, ça. Vous voyez comment on peut changer du tout au tout? Allez, je vais lui mettre ça. Je remettrai sa queue de cheval plus tard. Ben voilà. T'es toute belle comme ça. Je vais laisser de. Voilà, en plus, ouais, avec le bandeau, ça fait nickel. Avec ces petites couettes là, oh là là. Magnifique. Bon, au moins. Attendez, j'ai pas vérifié. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de maquillage ou autre. Désolé. J'étais plus trop sûr pour savoir si j'avais pas oublié les maquillages, etc. Non, il n'y en a pas. Salut les mecs, hein. Bonne journée. Allez, ils vont rester là toute la journée. À discuter, faire des bêtises. Le devant de ma voiture est ensanglanté. J'espère que ça fera pas peur aux touristes. Hey! Allez. On va commencer par les chapeaux, mais il me semble qu'on a déjà vérifié. Non, ça on a. Attendez. What? Attendez, on avait vu un truc là. C'était quoi? Ah oui, d'accord, c'était les gilets et tout. Alors, les chapeaux, voilà, on a tout fait, je voulais bien vérifier. Et les masques, est-ce que vous avez des nouveaux masques, monsieur? Vous devez porter un casque rond pour voir cet article. Alors, qui me disait, pour voir ça, il fallait avoir un casque rond, voilà. En fait, vous pouvez pas avoir ce petit truc par-dessus, là on dirait Mad Max, tant que vous n'avez pas un casque comme je viens de porter. J'en ai pris un exprès. Par contre, ça c'est bien, c'est dommage qu'on ne puisse pas l'avoir sans le casque. Mais bon, après, je sens qu'il y a des personnes qui vont trouver un moyen. Ouais, non, franchement, c'était sympa en plus.
Mais c'est dommage, on a fait ce qu'on avait à faire ici. Il reste plus que les tatouages et ce sera la fin de cette petite vidéo. Et je suis plutôt content parce que bah, y a beaucoup de choses. Voilà, c'est vrai que généralement, on se dit tout bon, allez, il y a deux trois tenues, c'est cool, deux trois vêtements, une coiffure, ça. Là, franchement, il y a du contenu. On peut pas. D'accord, je voulais la klaxonner, voir ce qu'elle allait faire. Toi, bitches, merci pour tes 13 dollars. Salut. Tu veux pas me laisser. Voilà. Ouh là là. Alors. C'est quoi le zoom? Voilà, c'est LT pour ceux qui sont intéressés. Brother for life, oh yeah. Oh, pas mal celui-là. Un petit dragon, d'accord. Adieu mes frères, roue de la liberté. Et elle est pas ridée, si elle est fatiguée, c'est normal. Motard en liberté. Ça, j'aime bien celui-là, je trouve qu'il est sympathique. Ensuite, poitrine. Bon, désolé, on voit pas très bien. Mode de la mort, Fagio. Oups. Vautour. Impitoyable. Pas de regret. Badge de fraternité. Aigle de western. Clé à molette. Rêve américain. Western MC. Serre-tête. Oh, il est beau quoi celui-là. J'aime bien ce style-là. Motombe. Démoniaque. Waouh. Made in USA. Guidon armé. Démon motard. Voiture bélier, et je pense qu'on a fini à ce niveau-là. Là, on a trophée de motard. Ouais, non, j'aime pas du tout. Sur une fille, ça va pas, je trouve. À cet endroit-là, hein. J'aime pas trop, je suis pas fan. Merde. Désolé, hein, des fois, c'est ma touche qui déconne un peu. Hop, sur la tête. D'accord, c'est plutôt ici. Ah bah, on a pris la bonne coupe. Bon, western. Là, c'est Fox the World, ok. Et. Ah non, 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 jamais tu porteras ça. Jamais. De toute façon, je te laisse toujours sans tatouage, je préfère. Ok. Poison de scorpion. Casque anti-bruit. Je vais peut-être enlever le zoom. Bon, allez, je vous les passe comme ça, vous voyez. Ce qui est chiant, c'est à chaque fois qu'on descend, vous voyez, boum, il la retourne. Alors que j'aurais bien voulu qu'il. Oh, celui-là est magnifique. Hein. Waouh. Il est armé comme ça et c'est un peu embêtant. Par contre, je vois pas ce que ça fait l'arbre. Enfin, ouais, pourquoi pas. Alors, bras droit. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont différents à chaque fois. Oui, il pourrait très bien vous mettre deux fois les mêmes tatouages dans les deux bras, mais à chaque fois, il met des trucs différents. Comment ça sera un peu con d'avoir. À part si vous voulez des trucs tribaux, etc. Ouh, une petite pin-up. C'est mieux d'avoir deux choses différentes, parce que sinon, ça se répète un peu. Celui-là, je trouve pas mal aussi. Les couleurs sont plutôt sympas. Je me demande s'ils ont vraiment des vrais tatoueurs pour à chaque fois faire des nouveaux tatouages comme ça. C'est genre pour les dessins et tout. Parce que. Voilà. On dirait le mec là, Fitz Badman, là, la sorte de grenouille verte. Ouais. Celui-là, on n'arrive même pas à lire ce que c'est. Ouais, pas mal. À fleur de peau. Et jambe droite pour finir. Ta gueule, d'accord. Très bien. Voilà. On a un très beau tatouage. Ouf! Oh, celui-là. Il a duré tellement de temps à se faire. Et le prix aussi doit être. Ouais, 17 000. Et je crois qu'on est. Enfin, je pense que ça a coûté 17 000 en vrai, mais ça va pas être très très loin. Bon, et bien voilà. J'espère que cette vidéo. Bah vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. On va aller vérifier aussi un petit truc, c'est au niveau du style. Attendez, c'est où qu'on voit ça déjà? Voilà, action. On va voir si ça pas des nouvelles choses. C'est vrai que j'ai pas vérifié avant de finir. Alors, tu veux mon doigt, capitulation, chute, photographie, DJ, clavier, pas question. On l'avait déjà avant. Poule mouillée, arrogance, délectation. On l'avait avant, pisse à ton paron, kiss de mer, un air, fumette, boire, non, non. Il me semble pas qu'on ait des nouvelles choses. C'est un petit peu dommage, mais on n'a pas de nouvelles choses. C'est pas grave, vu tout ce qu'on a, c'est déjà magnifique. En tout cas, bah comme je vous l'ai dit auparavant,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Oh là, bon, d'accord. Je pensais avoir mis le petit signe pour dire au revoir, mais c'est pas grave. Et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut. On ne coupe pas dans ma fin de vidéo.